Miggiano est situé au nord du Cap de Leuca et il compte une population de 3500 habitants. La ville de Miggiano confine avec Ruffano, Montesano Salentino, Tricase e Specchia et elle s'étend sur une plaine protégée à l'ouest par les collines des Serres Salentines. Miggiano est doté d'une grande aptitude industrielle, particulièrement liée à la production de sellement et d'ameublement, en se consolidant dans le territoire en tant que district du bois et du mobilier. La présence de l'homme dans le territoire de Miggiano est très ancienne, comme l'attestent des précieuses découvertes archéologiques. Particulièrement significatifs sont les études effectuées dans la localité Pozzelle, qui témoignent la présence d'un village d'époque médiévale, puis abandonné au cours de l'époque moderne. Selon la tradition historique, l'histoire féodale de Miggiano commence pendant la domination normande, mais c'est entre le XVIIe et le XVIIIe siècle que ce village vit une période florissante du point de vue social et financier, avec la succession des trois familles féodales salentines, la famille Rubelli, la famille Gallone, prince des Tricase, et la famille Vernaleone, dernier feudataire. Les moulins à l'huile souterrains, présents dans le territoire, remontent au XVIIe et XVIIIe siècle. Ils sont des vrais témoignages d'une vive et intense activité industrielle liée à la production et à la vente de l'huile, qui a animé la société de Miggiano pendant des siècles. La tradition économique se développe aujourd'hui encore dans la production agricole, notamment dans la culture de l'olivier, un arbre qui forme de vastes étendues verdoyantes dans la campagne de Miggiano. Au cours des dernières années, Miggiano a vu se consolider la production de l'excellente huile d'olive vierge extra, qui ici est produit par beaucoup d'entreprises renommées qui ont fait de la qualité et de la biodiversité une marque de garantie. Le paysage naturel est authentique dans son intégrité. Il est entouré des murets de pierres sèches, témoignage des typiques et anciennes architectures de la civilisation agricole et pastorale du Salento méridional. En se promenant dans la campagne de Miggiano, on peut faire d'agréables rencontres, comme les paillares, des édifices ruraux réalisés en pierre. Les paillares avaient différentes utilisations. Elles étaient utilisées, par exemple, comme dépôt ou comme logement pour les paysans pendant les mois les plus chauds. À Miggiano, la tradition commerciale se combine avec l'innovation dans les modernes parcs d'exposition situés derrière l'Hôtel des Villes, sur la route provinciale qui conduit à Taurisano. En effet, au mois d'octobre, Miggiano est le siège de la prestigieuse Expo 2000, la foire régionale de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture du Salento méridional, institué pour la promotion et la valorisation des produits de la culture salentine. Les beautés de Miggiano se combinent avec la tradition de l'accueillance salentine, qui ici au Cap de Leuca présente encore les typiques caractéristiques de l'ancienne hospitalité du Levant.
En marchant dans les caractéristiques rues de l'ancien bourg de Miggiano, on redécouvre facilement la grâce de la simplicité et de l'authenticité salentine, en se plongeant dans les couleurs chaudes du Caparo et des anciens enduits. Le cœur de la ville accueille différentes typologies de l'architecture typique de la terre d'Otrante, comme les formes solennelles des maisons nobilières qui se dressent majestueuses dans les étroites rues. Elle montre les signes de l'opulence familiale à travers le monumental blason héraldique et les petits oratoires privés. Au cœur de Miggiano, on peut admirer le bossage lissé, lequel encadre les anciens portails sculptés selon les goûts décoratifs du XVIIe siècle. La construction de résidences publiques est visible aux yeux des visiteurs dans les typiques maisons à cour, des logements répandus dans la plupart des centres habités salentins. Les cours offraient aux familles une plus grande sécurité et différentes typologies de services communs, comme la citerne pour la collecte des eaux, le lavoir en pierre pour laver et petit entrepôt pour le stockage d'utiles et d'aliments. Au cœur de la ville, on peut admirer le petit oratoire de Sant'Oronzo, fruit de la sobre dévotion religieuse des habitants de Miggiano. En haut, on peut noter encore le clocher-mur, érigé en mémoire du Saint-Évêque de Lecce, invoqué autrefois contre les maladies infectieuses. Dans la place de la mairie s'élève la colonne de Saint-Vincent, le martyr, patron de la ville, construite par les habitants de Miggiano en 1772. La place est dominée par la présence de l'hôtel de ville. Il a été rénové récemment et présente à nom la montre mécanique et le petit clocher civique. À l'intérieur du palais, les visiteurs peuvent s'adresser à l'office du tourisme de la ville de Miggiano pour réserver une visite guidée dans les jolis centres historiques. Le palais Vernaleone est majestueux et il a été pendant des siècles le siège représentatif du pouvoir féodal. La structure du bâtiment date du XVIe siècle, bien qu'elle a été ardument modifiée au cours des siècles, jusqu'à perdre son ancienne physionomie militaire. En poursuivant vers la rue Santa Barbara, on rencontre un joli jardin public, situé près de Villa Episcopo. Ce précieux poumon vert de la communauté de Miggiano, lieu de rencontre des familles et des jeunes de la ville, s'étend sur un hectare de terre, complètement dominé par des arbres de chênes verts à haute tige. Ces jardins offrent aux visiteurs différentes activités, des passe-temps ludiques au parcours de remise en forme. Il est très agréable de se profiter de la nature préservée du jardin public de Miggiano, en contact avec tous les éléments caractéristiques de la flore de la forêt méditerranée, en toute liberté et à quelques mètres du centre historique. L'église paroissiale de Miggiano est dédiée au Saint-Martyr Vincent, patron de la ville. Selon la tradition historique, la structure originaire date du XVIe siècle et elle a subi au cours des siècles des modifications au niveau structurel et stylistique. Aujourd'hui, la façade apparaît sobre et austère, caractérisée par trois entrées et trois niches contenant les statues en pierre des saints apôtres Pierre et Paul,
et l'effigie de Saint Vincent, qui surplombe la monumentale porte principale. L'édifice, récemment rénové, présente à l'intérieur une large nef, encadrée par les chapelles et les autels latéraux, fruit de la dévotion religieuse de la communauté de Miggiano. Très précieuse est la toile du peintre de Nardò Antonio Donato d'Orlando, qui date de 1616. Au centre du tableau, on peut admirer le saint protecteur Vincent, qui reçoit du ciel une couronne et un palmier. En bas, aux côtés, sont représentées des histoires hagiographiques, comme la représentation du martyr sur les grillages. Au pied du tableau, on peut admirer la statue processionnelle du saint, conservée dans la niche qui porte les blasons civiques de l'Universitas de Miggiano, un pommier, aujourd'hui encore visible sur les drapeaux du palais municipal. Les décorations en style rocaille et les précieux stucs colorés sont bien visibles sur l'autel de la Vierge du Carmine. Au centre de la toile est représentée la Vierge à l'enfant, en train d'offrir les scapulaires aux âmes du purgatoire, placées à leurs pieds. En haut, enfermée dans un cadre sinueux, on peut admirer une toile de Saint Oronzo, premier évêque de Lecce selon la tradition. Très caractéristique est la grotte du Calan, située à quelques pas de l'église mère, où se trouve le siège du Mumic, un musée qui préserve des artefacts et des vêtements liturgiques qui racontent l'histoire de l'église mère de Miggiano. Près du cimetière monumental de Miggiano, on peut rencontrer la jolie crypte de Santa Marina, un important monument salentin afférent à la culture et à la tradition religieuse italo-grecque. Située au-dessous de l'homonyme petite église, construite au cours de l'époque moderne, la crypte présente trois environnements souterrains différents. Sur les murs, on peut noter encore d'importantes fresques qui date, d'après les historiens, d'une période qui va du XIe au XVIe siècle. La fresque de la sainte titulaire Marina, représentée dans sa typique pose iconographique, avec un palmier et un marteau en train de soumettre un dragon, date d'une période plus tarde. Parmi les habitants du Salento méridional, Santa Marina est invoquée contre l'ictère, traditionnellement définie comme male d'arco. Les formes picturales byzantines sont visibles dans la fresque de la Dormitio Virginis, le tableau le plus ancien de la crypte. Dans le tableau est représentée la Dormition de Marie, couchée entre les apôtres qui en célèbrent les obsèques. Dans la partie supérieure, on peut noter l'image de Jésus-Christ qui accueille entre ses bras l'âme de la Vierge, définie en jargon iconographique « Eidolon ». D'autres fresques enrichissent la crypte, comme l'effigie de Saint Nicolas, évêque de Myra, souvent présente dans les décorations du culte italo-grec. Le réservoir, probablement, avait une fonction originaire de sépulcre, tel qu'il a été supposé dans les récentes activités d'études. La crypte de Santa Marina à Miggiano fait partie du précieux patrimoine historique byzantin, culture qui dans le Salento s'est développée pendant des siècles dans l'identité italo-grecque.